De te retrouver encore aujourd'hui en cette cinquième journée de notre neuvaine du Sacré-Cœur. Personnellement, je trouve que ça va trop vite. Puis je suis contente de te retrouver parce que si tu es là, c'est que toi aussi, tu veux découvrir plus l'amour de Jésus. Puis ça, de trouver des amis qui aiment celui qu'on aime, c'est merveilleux. Tu sais, hier, à la fête du Saint-Sacrement, j'ai vraiment expérimenter Jésus dans l'Eucharistie, Jésus vivant. Je peux pas te dire d'autre chose. Jésus vivant. Comme toi tu es là et que je suis là, Jésus vivant. Tu vois, il est à côté de nous sur une statue. On a l'impression presque qu'il nous sourit. Pourquoi? Parce que effectivement, Dieu est là. Je suis dans la chapelle pour te parler. Il est là. Il te regarde. Avec amour, un grand amour. Je me suis arrêtée à penser, je me disais, Dieu le Père, là, après le péché, il pouvait pas se résigner d'être séparé de ses enfants. Fait qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Jésus est venu pour faire la joie du Père et rassembler tous ses enfants. Mais Jésus, il pouvait pas se résigner d'être séparé de ses disciples qui étaient là et les autres qui viendraient par la suite. Alors, il a inventé l'Eucharistie. C'est peut-être une façon très simple, très, pour pas dire simpliste, d'expliquer le grand amour de Dieu. Mais l'Esprit-Saint vient révéler à notre cœur le désir de Dieu d'être en union, d'être en intimité, en communion avec nous. Et regarde ce que Jésus a dit à Marguerite Marie, et c'est pour toi aujourd'hui. Oh, que j'aimerais tellement ça que tu y crois, là, que tu y crois de tout ton cœur comme jamais tu y as cru. Moi, quand je l'ai lu, j'ai dit, je crois ça. Mais là, plus je suis rentrée dedans, plus j'ai dit, hey, je veux y croire encore plus. Jésus disait, si jusqu'à présent, tu ne t'es attribué que le titre de ma servante, je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. Je relis. Si jusqu'à présent tu ne t'es attribué, Marguerite Marie, que le titre de ma servante, alors aujourd'hui je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. En d'autres mots, je veux aller plus loin dans ma relation d'amour avec toi, ma relation d'intimité, je veux la vivre avec toi de façon encore plus grande, que tu te considères comme le serviteur, la servante, le disciple bien-aimé. C'est pas grave les titres que tu donnes, mais Jésus veut aller plus loin. Regarde, dans le monde, une vedette arrive sur la scène, tout le monde l'acclame. Puis là, tout d'un coup, la vedette se lève puis elle dit, moi, je voudrais avoir des amis parmi vous, des intimes. Qui veut être mon ami? Ben, tout le monde se m'a crié, moi, 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 moi. Puis là, la vedette regarde, puis elle dit, oui, toi, oui, toi, oui, toi. C'est tout.
désolé pour les autres. Il s'en est choisi 3. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Alors qu'il n'est même pas une vedette, qu'est-ce que Jésus fait? Il pose la même question. Qui veut être mon intime? Qui veut être proche de moi? Alors, Marie-Lie dit, moi Jésus. Puis après ça, Jacques dit, moi Jésus. Puis après ça, Louise dit, moi Jésus. Puis Emmanuel dit, moi Jésus. Puis Jésus regarde, puis il les entend tous. Puis il dit, très bien Marie-Lie, très bien Jacques, très bien Emmanuel, très bien Louise. Je vous prends tous avec une relation différente. On a tous une relation différente, pas de plus, pas de moins. On a tous une relation de plénitude avec Dieu. Et c'est ça qui veut vivre avec toi, qui veut vivre avec moi. Ne te satisfais pas d'une demi-relation, une petite relation. Je suis un petit peu catholique. Je suis un petit peu aimante de Jésus, mais faut pas que j'exagère. C'est pas l'amour de ma vie. Oui! Il faut que ce soit l'amour de ta vie pour que tu sois amoureux et amoureuse de l'univers entier. Que tu sois toujours en relation avec Jésus. Oh, si cette neuvaine pouvait t'apporter ça. Qu'on soit toujours en relation avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Jésus, l'ami. L'ami avec qui je suis, que je suis toujours. Comment vas-tu, Jésus? Qu'est-ce qui te plairait, Jésus? Est-ce que tu aimes ça, Jésus? Aimerais-tu que je chante quelque chose pour toi, Jésus? Je ne chante pas trop bien, mais... Puis on va s'asseoir ensemble, puis on va se parler. Je vais te parler de mes peines, je vais te parler de mes joies. Je vais te parler de tout ça. Puis toi aussi, tu vas me parler. Saint-Claude de la Colombière, le directeur spirituel de Marguerite Marie, disait, « Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Vous prenez part à tous mes maux. Vous m'écoutez avec bonté. Je vous trouve toujours et en tout lieu. Et vous ne vous éloignez jamais. Puis moi non plus, je ne veux pas m'éloigner de toi, Jésus. Et si je suis obligée de changer de demeure, je ne me laisse pas de vous trouver où je vais. Que je sois à la chapelle, que je sois à la cuisine, que je sois au ménage, que je sois dans la voiture, que je sois avec des amis, je suis toujours avec Jésus. C'est ça que Sœur Jeanne nous disait, tout avec Jésus, toujours, toujours, toujours. Prends le temps de t'asseoir souvent avec lui, c'est ça qu'on fait avec un ami. On s'assoit puis on placote, on passe notre temps à lui demander des choses. On peut faire des choses ensemble, mais on est heureux ensemble, tout simplement. Alors, c'est la grâce de ce jour, aujourd'hui, d'aller plus loin dans notre intimité avec Dieu. Et j'aimerais juste, en terminant, dire un mot sur la situation au Canada de Kamloops. C'est une situation très, très sérieuse pour l'Église et pour l'Église du Canada, mais pour l'Église en général. Beaucoup de haine qui s'élève présentement contre l'Église. Des situations qui nous font frémir, des témoignages qu'on se dit « mais c'est pas possible ». Ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui comme ses intimes, c'est d'avoir peine de ceux qui ont de la peine, de savoir garder silence, de ne pas juger, de laisser à d'autres le jugement, mais humblement de prier et de prier encore. Priez la Vierge Marie, Mère de l'Église, pour cette situation. C'est promis. Alors allons à la chapelle demander cette joie de devenir des intimes et des intimes qui aiment leurs frères. Au revoir, bonne journée, puis belle journée avec Jésus en tout, tout, tout. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Assoiffé de notre amour, Jésus,
tu lances un cri au monde. Mon cœur vous a tant aimé, pourquoi l'indifférence? Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Sacré agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi.
Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Ô cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la